tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous présente ce très joli modèle. Donc, c'est un petit bébé endormi que je vous ai fait. J'espère qu'il vous plaît. Donc, c'est un modèle très tendre. Vous pouvez accompagner, par exemple, vos cadeaux de couverture pour la naissance, etc. Vous pouvez leur mettre également, donc à la personne pour qui est la couverture, ce petit doudou qui l'accompagnerait parfaitement. Voilà, c'est un modèle très tendre, comme je vous disais. C'est vraiment très mignon. Enfin, moi, personnellement, il me fait complètement craquer ce bébé. Donc, voilà. Alors, il est bien grassouillé, vous voyez. Tout doux, puisque c'est fait avec la Baby Velly, tout ce qui est le corps et le chapeau. Et le reste, le coton Cupidon, qui est également très, très doux. Donc, voilà. Écoutez, ça, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Vous pouvez lui faire les pyjamas, le bonnet, peu importe, avec la couleur de Baby Velly que vous préférez. Je vous laisse vraiment... Ben écoutez, l'embarras du choix, vous pouvez même faire des rayures, enfin ou lui broder des petites fleurs sur le pyjama par la suite. Pourquoi pas lui mettre des petits boutons, enfin tout ça, c'est vous qui allez décider. Donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Pour réaliser le bébé, vous allez avoir besoin de coton Cupidon. Donc avec une pelote de Cupidon, vous faites largement le bébé. En fait, il faut vous dire qu'avec deux pelotes de Cupidon, par exemple, vous faites trois bébés. Ensuite, il va vous falloir de la Baby Velly pour le pyjama et le chapeau. Du coton perlé pour broder les yeux, parce qu'il nous faut quelque chose de très fin. Donc tout ça, vous allez le crocheter. Donc le coton Cupidon, on va le crocheter dans tout le tutoriel avec le crochet 2,5. Et tout ce qui est le Baby Velly, tout simplement avec le crochet 3,5. Il vous faudra également une aiguille à laine, et puis j'ai oublié de la mettre, mais une paire de ciseaux. Vous allez avoir besoin également de ouates, donc la ouate de votre choix. Moi, j'aime les ouates bien moelleuses. Donc voilà. Ben écoutez, c'est tout ce qu'on aura besoin pour faire notre petit bébé. Tous ces matériaux-là, vous les trouvez sur notre boutique lydiacrochettricot.com. Avant de commencer, je vais vous donner tout de suite la mesure de ce petit bébé. Donc ici, hop, du milieu de la tête, je vais venir vous mesurer, jusqu'à ses pieds. On est sur 29 cm de largeur ici. Si je me mets à la moitié de son bras avec la moitié de son bras, j'ai 19 cm environ. Qu'est-ce que je voulais vous mesurer de plus? La partie ici, pour vous guider en fait, pour l'assemblage. Donc ici, vraiment la partie de la chair, on va dire, du visage qui dépasse. Jusqu'à là, je suis à 6 cm, 6 cm et demi. Et puis voilà, je ne sais pas trop quoi d'autre, vous mesurez. Donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. On va commencer en faisant ici un nœud coulant. Et ce nœud coulant va venir donc le fixer. Ici, avec le crochet numéro 2,5, avec une maille en l'air. À l'intérieur de ce nœud coulant, on va venir faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5... et 6. Maintenant, on prend le fil du nœud coulant et on tire dessus pour resserrer le nœud coulant. Maintenant, on va travailler en spirale. Donc, vous vous munissez ici d'un marqueur qu'on va venir utiliser pour repérer chaque fois la première des mailles. Donc, le deuxième rang, on va faire que des augmentations. Donc, on pique ici directement dans la première des 6 mailles qu'on a. Vous piquez, vous ramenez votre fil et ici, vous allez faire 2 mailles serrées. Donc, une. Et au même endroit, vous repiquez et vous en refaites une deuxième. La première de ces deux, vous venez et vous la marquez. Ici, hop, si j'y arrive. Maintenant, on va dans la maille suivante, on pique et de nouveau, une. Et au même endroit, une deuxième maille serrée. On va dans la maille suivante et c'est reparti. Une et deux mailles serrées. Dans la maille suivante, une. Deux mailles serrées et ainsi de suite jusqu'à terminer le tour. J'ai terminé tout mon tour. À la fin du rang, vous devez avoir 12 mailles serrées. On enlève le marqueur et on va passer au rang numéro 3 où la séquence à répéter tout le long, ça va être une maille serrée, une augmentation tout le tour. Donc on commence. Là où il y avait le marqueur, vous faites une maille serrée individuelle. Et comme c'est la première du rang 3, vous la marquez. Maintenant, dans la maille suivante, une augmentation. Une, et au même endroit, une deuxième maille serrée. Et ça, c'est la séquence à répéter 6 fois au total.
On le répète encore une fois ensemble. Une maille serrée individuelle. Et dans la maille suivante, deux mailles serrées. Une et deux. Et c'est reparti tout le tour. J'ai terminé tout le tour. On enlève maintenant le marqueur et on va passer au rang suivant, donc le rang 4, où ce qu'on va venir répéter, c'est deux mailles serrées, une augmentation, tout le tour. Donc, ici où il y avait le marqueur, on fait la première des deux individuelles qu'on doit faire et on vient tout de suite la marquer pour pas se perdre. Maintenant, dans la maille suivante, une deuxième maille serrée individuelle. Et dans la maille suivante, une augmentation. Une et deux. Donc ça, c'est ce que vous allez venir répéter tout le long. Deux mailles serrées, une augmentation. Et à la fin du rang, vous allez avoir 24 mailles serrées. Le rang numéro 5, vous allez faire 3 mailles serrées, une augmentation tout le tour. Le rang numéro 6, 4 mailles serrées, une augmentation tout le tour. Et on se retrouve. J'ai terminé le rang numéro 6. Le rang numéro 7, on va continuer toujours pareil. Hein. 5 mailles serrées, donc 1, 2, 3, 4 et 5. Et dans la maille suivante, une augmentation. 1 et 2 mailles serrées. Donc ça, c'est la séquence à répéter 6 fois au total. Donc bien entendu, la première des 5 mailles serrées, vous venez et vous la marquez puisque c'est la première du rang. Ensuite, après ce rang numéro 7, vous allez faire le rang 8 où vous allez faire 6 mailles serrées, une augmentation, tout le tour. Et vous aurez 48 mailles serrées. J'ai terminé tout le rang numéro 8. Maintenant, le rang 9, on va venir faire tout simplement des mailles serrées individuelles. Donc pour cela, dans chaque maille qui suit, vous piquez, vous faites une maille serrée normale. Donc ici, on a la première du rang, on la marque tout de suite. Et maintenant, on continue en faisant des mailles serrées individuelles tout le tour. J'ai complètement terminé de travailler les 48 mailles serrées individuelles. Maintenant, le rang 10, vous allez faire 7 mailles serrées, une augmentation tout le tour. Et vous allez avoir 54 mailles serrées. Le rang 11 jusqu'à 19 inclus, vous allez faire ces 54 mailles serrées individuelles. Et là, on se retrouve. J'ai terminé, on enlève le marqueur et maintenant, on va passer au rang, ici, au rang numéro 20, où on va faire 7 mailles serrées, donc une, la première, on la marque. Maintenant, on fait une deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième maille serrée individuelle. Et maintenant, on fait une diminution. Donc, les diminutions dans les amigurumis, c'est tout simplement, on va venir lever les deux brins suivants, uniquement les brins avant. Donc, ici, on a le premier. On pivote ici un petit peu et on soulève le deuxième brin. Maintenant, on ramène le fil et on termine ces deux boucles ensemble. Là, on a fait une diminution. Donc, ça, c'est ce que vous allez faire. 7 mailles serrées, une diminution tout le tour. À la fin du rang, vous allez avoir 48 mailles serrées. Le rang 21, vous allez faire 6 mailles serrées, une diminution. Et vous aurez à la fin du rang, donc tout le tour, vous le répétez la même chose, hein, vous aurez 42 mailles serrées. Le rang 22, vous allez faire 5 mailles serrées, une diminution tout le tour. Et vous aurez 36 mailles serrées. Le rang numéro 23, vous allez faire 4 mailles serrées, une diminution tout le tour. Vous aurez 30 mailles serrées. Le rang 24, 3 mailles serrées, une diminution tout le tour, vous allez avoir 24 mailles serrées. Et le rang 25, vous faites 2 mailles serrées, une diminution, et vous aurez 18 mailles serrées à la fin du rang. Là, on se retrouve parce qu'on va venir en fait remplir en fait avec de la mousse, rembourrer la tête. J'ai terminé le rang numéro 24, donc avant de faire le 25, je vous conseille quand même de remplir juste avant. Donc ici, vous prenez votre mousse et vous allez venir remplir votre tête. Donc juste, je finis de mettre ce petit peu et je vous montre la forme que doit avoir la tête. Donc ici, vous allez voir qu'à force d'enfoncer, vous allez avoir quelque chose d'assez plat. Vous allez venir, vous voyez, faire en sorte que, vous voyez, ça s'élargisse un petit peu, comme ceci. Maintenant qu'on a ce résultat, donc vous voyez, parfait, en fait il n'y a pas de bosse ni quoi que ce soit, c'est bien rond et bien, vous voyez, bien quand même solide. On va venir continuer donc le rang 25, comme je vous avais dit tout à l'heure, deux mailles serrées, une diminution, tout le tour.
Et à la fin de ce rang, on pourra continuer à remplir, à rembourrer la tête. J'ai terminé, donc je rajoute de la mousse à chaque fois, au fur et à mesure. Et je continue avec le rang numéro 26, où vous allez faire une maille serrée, une diminution, tout le tour. J'ai terminé le rang numéro 26. Vous coupez maintenant. Vous allez faire une maille coulée dans la maille suivante, là où il y avait le marqueur, et vous faites une maille en l'air et vous tirez. Maintenant, on va venir placer ce fil-là dans une aiguille à laine. On vient maintenant passer à travers toutes les mailles, une par une, pour refermer le trou. Donc, n'hésitez pas, si vous voyez qu'il en manque encore un petit peu de la mousse, votre doigt passe encore. Donc, n'hésitez pas à en remettre. Maintenant, on continue, comme je vous disais, à passer à travers chaque maille. Vous prenez que le brin avant, c'est ce que je vous conseille, et vous tirez. Au fur et à mesure, vous allez voir le trou se referme comme par magie. Une fois que c'est bon, vous tirez, vous voyez, le trou disparaît complètement. Maintenant, vous allez attraper un petit morceau ici et vous allez faire un petit nœud. Donc, cette partie-là, c'est la partie en fait qui va être cousue, qui ne va pas se voir. Donc, vous faites votre petit nœud, vous piquez, vous ressortez plus loin et vous venez tirer un petit peu plus que la normale et vous venez couper votre fil à ras. Maintenant, avec l'aiguille à laine, vous venez et vous remettez tout ce qui a pu un petit peu se déformer, vous voyez, avec la couture, etc., pour obtenir une boule parfaite. Donc là, on a la tête de fini. Ici, ensuite, on lui fera des petits yeux, vous voyez, et là, on va passer maintenant au corps. Pour faire le pied, on va commencer avec la couleur ici, couleur peau, et on va faire un nœud coulant. À l'intérieur de ce nœud coulant, ici d'abord, on le fixe, bien sûr. Et à l'intérieur, on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et notre 6e maille serrée. On vient resserrer le nœud coulant pour fermer le tronc. Et maintenant, on va passer au 2e rang. Donc déjà, munissez-vous d'un marqueur parce qu'on va retravailler en spirale. Donc, ici, dans la première des 6 mailles, vous piquez. Et ici, vous allez faire une maille serrée individuelle que vous allez venir marquer. On complète la séquence en faisant dans la maille suivante une augmentation. Une et deux mailles serrées dans la même maille. De nouveau, on répète une deuxième fois. Une maille serrée individuelle, dans la maille suivante, une augmentation. Une et deux mailles serrées dans la même maille. Une troisième fois. Une maille serrée, dans la maille suivante, une augmentation. Ici, hop. Comme ceci. Maintenant, on enlève ici le marqueur. Et on passe au rang suivant, donc le rang 3. Où on va faire deux mailles serrées, une augmentation, trois fois au total. On commence avec la première, donc une, deux mailles serrées. La première de ces deux, vous venez la marquer, c'est la première du rang 3. Et maintenant, dans la maille suivante, vous piquez, vous faites une augmentation. Une et deux mailles serrées dans la même maille. Et c'est reparti. Une. On en fait donc une deuxième. Et dans la maille suivante, une augmentation. Une, deux mailles serrées dans la même maille. On le fait une troisième fois. Une, deux. Et dans la maille suivante, une et deux mailles serrées dans la même maille. Vous pouvez retrousser un petit peu votre travail. Vous voyez, ça va être le pied. Donc, on va venir tout simplement continuer un petit peu d'agrandir au fur et à mesure. Vous allez voir, pour donner une forme un petit peu, comment vous expliquer ça. Vous voyez, en cornet. Et ensuite, on passera à la seconde laine. Donc, on enlève ici le marqueur. Et là, on va faire 3 mailles serrées, une augmentation tout le tour. 1, 2, 3. La première de ces 3, vous venez la marquer. C'est la première du rang. Et dans la maille suivante, vous faites une augmentation. Une et deux mailles serrées. Et de nouveau, une, deux, trois. Dans la maille suivante, une augmentation. Une et deux mailles serrées dans la même maille. Et c'est reparti. Une, deux,
3, dans la maille suivante, une augmentation. Vous voyez? Là, on l'a fait 3 fois au total. On a terminé le rang. On enlève maintenant le marqueur, on passe au rang numéro 5, où on va faire tout simplement les 15 mailles serrées individuelles. Donc, 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Vous voyez, au lieu de mettre le marqueur, en fait, j'ai préféré compter. Donc là, le tour individuel est terminé. Maintenant, on passe au rang numéro 6, où on va venir faire 4 mailles serrées, une augmentation tout le tour. 1, 2, 3, 4, et dans la maille suivante, une augmentation. 1 et 2 mailles serrées. On répète ça une deuxième fois. Donc, 1, 2, 3, 4 mailles serrées, une augmentation dans la maille qui suivante. Et on répète ça une troisième fois. 1, 2, 3, 4, hop, et une augmentation dans la maille suivante. Là, je l'ai fait 3 fois au total, j'ai terminé mon tour. Maintenant, on va passer qu'avec des mailles serrées individuelles. Donc, on commence en faisant toujours nos 18 mailles serrées. 1, 2, 3. Maintenant, on continue. Donc, le rang numéro 8, pareil. On fait de nouveau les 18. 1, 2, 17 et 18. Là, on a terminé le rang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le rang 9, pareil, vous faites les 18 mailles serrées. Et là, on se retrouve. J'ai complètement terminé ici le bout du pied. Maintenant, on coupe. On vient faire tout simplement une maille en l'air qu'on vient tirer. Et là, on a terminé le bout du pied. Maintenant, on va venir prendre la Baby Velly. Donc, vous prenez bien entendu la couleur que vous préférez. Moi, j'ai pris du bleu ciel. Je vais venir changer de crochet et prendre du 3,5. Vous piquez dans la dernière maille que vous avez fait et vous ramenez la nouvelle couleur. Une maille en l'air. Ici même, là où vous venez de vous raccrocher, vous piquez, vous faites une maille serrée. C'est la première du rang. Maintenant, dans la maille suivante, vous piquez, vous ramenez le fil, vous faites votre deuxième. Et au total, vous allez en faire 18. Donc ici, tous les fils, vous essayez de les cacher un maximum, enfin un petit peu, vous voyez, quelques centimètres, et ensuite on pourra les couper. Donc on fait notre troisième. Quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, on vient couper à chaque fois, on continue, après la huitième, on fait la neuvième et la numéro ici 18. Maintenant qu'on a fait les 18, on va venir travailler en spirale. Donc ici, ce que vous faites, c'est que vous piquez sur la première des mailles serrées du rang et on commence directement le rang numéro 2 avec cette couleur. Donc une et on la marque. C'est la première du rang numéro 2. Maintenant, on continue dans toutes les mailles, vous piquez et vous faites une maille serrée. 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et la numéro 18. Vous voyez ? Là, on a fait un deuxième rang de la même couleur. Eh bien, vous allez faire un troisième et un quatrième. Donc, à chaque fois, c'est la même chose. On enlève le marqueur et on commence... Là où il y avait le marqueur, vous voyez, on pique et on commence à travailler le rang suivant. Donc là, c'est le rang numéro 3. On marque toujours la première des mailles et on continue avec que des mailles serrées individuelles. Une fois que vous avez ces 4 rangs, ce que vous allez faire, c'est couper votre fil et faire une deuxième jambe à l'identique. Moi, personnellement, ça y est, j'ai fait mes deux.
voyez. Donc du coup maintenant on va venir unir ces deux jambes ensemble et former le corps. Maintenant on va venir unir les deux jambes, donc vous prenez les deux côtés les plus jolis selon vous et puis vous allez venir tout simplement travailler les 18 mailles serrées d'un côté et les 18 mailles serrées de l'autre. Moi j'ai coupé mon fil dans les deux pour tomber pile poil, vous voyez, comme je voulais les deux côtés les plus jolis en fait qui soient devant moi. Et je vais venir m'accrocher tout simplement, vous voyez, dans une des mailles ici. Une maille en l'air et une maille serrée. Ça, c'est la première du rang et je vous conseille de venir la marquer. Donc ici, une, on continue, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, 8 et 9. Et moi personnellement là ici je m'arrête là, vous voyez, pour pouvoir commencer à unir de l'autre côté également. Donc 9, je viens m'accrocher sans réfléchir à une d'ici, vous voyez, je fais 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, je continue en bas, vous voyez, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Là, je regarde si j'en ai encore des disponibles. Donc là, je vois que non. Donc 27. Je passe directement ici en bas. Je fais ma numéro 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35 et la numéro 36. Vous voyez, j'avais 18 mailles de chaque côté. Je suis venue les unir en tout simplement en crochetant. Maintenant, ici, on a la première maille serrée. Je vais venir travailler, continuer de travailler en spirale. Donc, on va venir faire un rang ici. Donc, ici, dans la première où il y avait le marqueur, vous piquez et vous faites la première du rang. Donc maintenant, on continue le rang numéro 6, puisqu'on avait fait 4 rangs individuels ici dans les jambes. Ensuite, le rang 5, c'est le rang d'union. Et maintenant, le rang 6 qu'on vient de commencer. Où on va venir répéter tout le long, 5 mailles serrées, une augmentation. On a déjà fait la première, on fait la deuxième, troisième, quatrième et la cinquième. Et maintenant, dans la maille suivante, on fait une augmentation. Une et deux mailles serrées dans la même maille. Et c'est reparti. 1, 2, 3, 4, 5 et une augmentation. 1 et 2 mailles serrées dans la même maille. De nouveau. 1, 2, 3, 4 et 5. Dans la maille suivante, une augmentation. 1 et deux mailles serrées dans la même maille. Et vous répétez ça jusqu'à terminer. Là, tout de suite, on a 42 mailles serrées avec toutes nos augmentations. Donc maintenant, vous allez faire un rang entier de mailles serrées individuelles. Et là, on se retrouve. J'ai terminé le rang numéro 7. On enlève le marqueur. Et maintenant, le rang 8, vous allez faire tout le long 6 mailles serrées, une augmentation. 1, 2, la première, vous la marquez. Donc ici, c'est pas celle-là, elle d'après. Donc 2, 3, 4, 5, 6. Et maintenant, vous faites une augmentation. 1 et 2 mailles serrées dans la même maille. Et c'est reparti jusqu'au bout. 6 mailles serrées, une augmentation.
Le rang numéro 9, on va venir faire que des mailles serrées individuelles. Donc vous faites la première que vous venez marquer tout de suite. Et on continue que des mailles serrées individuelles. Le rang numéro 10, on enlève le marqueur et on va faire exactement la même chose. Un rang entier individuel. On marque toujours la première. Là, par exemple, j'en ai fait deux, je marque la première de ces deux. Et vous continuez ainsi jusqu'à avoir terminé le tour entier de mailles serrées individuelles. J'ai terminé, on enlève le marqueur. Et le rang numéro 11, on va venir faire 6 mailles serrées. Donc 1, 2, 3. Déjà la première, on la marque. Donc ici, hop. On continue 4, 5 et 6. Et là, on fait une diminution. Donc, on soulève le brin avant des deux mailles suivantes. 1 et 2. On ramène le fil et on fait notre diminution. Et c'est reparti. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Diminution. On soulève le brin avant des deux mailles. On ramène le fil et on termine. Donc, vous répétez ça tout le long et on se retrouve. J'ai terminé. On enlève le marqueur. On passe au rang numéro 12 où vous allez faire 5 mailles serrées. 1, 2, la première, vous la marquez. 3, 4, 5. Et là, vous faites une diminution. Et de nouveau, ici. 1, 2, 3, 4, 5, diminution. Et c'est reparti. 1, 2, 3, 4, 5, une diminution. Donc vous répétez toujours la même séquence jusqu'à terminer et on se retrouve. Maintenant, le rang numéro 13 et 14, vous allez les faire individuels et on se retrouve. Le rang numéro 15, on va venir faire une, on la marque, c'est la première du rang. Maintenant, on fait une deuxième, troisième et quatrième maille serrée. Et maintenant, vous faites une diminution. Donc, vous soulevez le brin avant des deux mailles suivantes et vous faites votre diminution. Donc, ça, c'est ce que vous allez venir répéter. 4 mailles serrées, une diminution jusqu'à la fin et vous allez avoir 30 mailles serrées. Le rang 16, vous faites 3 mailles serrées, une diminution tout le tour. Vous aurez 24 mailles serrées. Le rang 17, 2 mailles serrées, une diminution. Vous aurez 18 mailles serrées. Et là, on se retrouve. J'ai terminé le rang numéro 17. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir profiter et on va venir remplir avant qu'il soit trop petit le trou. Donc, on tient ici la boucle et on commence à remplir petit à petit. Et la mousse doit aller, bien entendu, jusqu'au pied. Une fois que vous avez terminé de remplir, vous passez au rang numéro 18 où vous allez faire une maille serrée, une diminution, tout le tour. Et on se retrouve. On va passer maintenant au petit bonnet. Donc pour faire le petit bonnet, on va faire toujours avec le crochet 3,5. On vient faire une et deux mailles en l'air. Maintenant, on va venir travailler dans la première de ces deux. Donc vous venez piquer directement dans la première des deux. Et vous faites ici 8 mailles serrées. Donc une, deux, trois, 4, 5, 6, 7 et 8. Maintenant, on vient piquer dans la première des mailles serrées et vous faites une maille coulée. Ici, dans le bonnet, on va venir travailler non-stop avec des mailles coulées. Vous allez voir que ça ne se voit pas. Donc ici, j'en ai un deuxième que je suis venue faire. Et comme vous pouvez voir, on ne voit pas d'union alors que j'ai fait des unions. Donc voilà. Alors, ici, hop, on passe au deuxième rang où on fait une maille en l'air. Et la séquence à répéter tout le long, ça va être dans toutes les mailles, vous piquez et vous faites deux mailles serrées dans toutes les mailles. Donc au total, vous devez avoir 8 augmentations, donc 16 mailles serrées.
Maintenant, on pique dans la première des mailles serrées et on ramène, on fait notre maille coulée. Là, on a fini le rang 2. Le rang numéro 3, une maille en l'air et la séquence à répéter 8 fois, ça va être une maille serrée individuelle. Et dans la maille suivante, une augmentation. Une, deux mailles serrées dans la même maille. Et c'est reparti. Une maille serrée individuelle. Dans la maille suivante, deux mailles serrées. Une et deux. Et c'est reparti. Une maille serrée. Dans la maille suivante, une augmentation. Et vous faites ça, écoutez tout le tour jusqu'à terminer. J'ai terminé. Maintenant, on vient chercher la première maille serrée du rang ici. Et on fait notre maille coulée. Là, on a fini. On passe au rang suivant. Une maille en l'air. La séquence à répéter 8 fois au total, ça va être 2 mailles serrées, 1 et 2. Et dans la maille suivante, une augmentation. Ça, vous allez le répéter 8 fois au total. J'ai terminé complètement. Maintenant, on unit à la première maille serrée, on fait notre maille coulée. Maintenant, on a terminé ici le quatrième rang. Le cinquième, le sixième, le septième, le huitième et le neuvième, vous allez faire des mailles serrées individuelles. Donc ici, une maille en l'air et on fait que des mailles serrées individuelles tout le long. On retourne à chaque fois qu'on a presque terminé un rang et vous voyez, vous le détendez légèrement pour pas que ça fasse vraiment tout droit, mais que ça fasse la forme d'un joli bonnet. Maintenant, on unit ici à la première maille serrée du rang et on recommence la même chose. Une maille en l'air et que des mailles serrées individuelles. J'ai terminé tous les rangs et regardez ce que je vous disais. Voyez la forme que doit avoir le bonnet. En fait, ça, vous l'obtenez en détendant tout simplement votre bonnet. Vous avez une jolie forme, voyez, bien détendue. Maintenant, on reprend ici le crochet et la boucle. Et on va faire le rang de finition. Donc ici, vous faites deux mailles en l'air. Et ici même, vous repiquez dans la première des mailles, maille coulée. On va dans la maille suivante et on fait une maille coulée. Dans la suivante, une maille coulée. Et une fois qu'on a fait ces deux mailles coulées, vous remontez avec deux mailles. Ici même, maille coulée. Deux mailles coulées dans les mailles suivantes. Donc une et dans la suivante, deux. Et c'est reparti. Deux mailles en l'air. Ici même, une maille coulée. Deux mailles coulées sur les deux mailles suivantes. Deux mailles en l'air. Ici même, maille coulée. Sur les deux mailles suivantes, c'est reparti. Une et deux. Une, deux mailles en l'air. Ici même, maille coulée. Sur les deux mailles suivantes, une maille coulée. Une et deux. Deux mailles en l'air. Donc une et deux. Ici même, maille coulée. Deux mailles coulées de nouveau. Une et deux. Donc vous avez compris le principe et vous avez une magnifique finition qui s'ajoute à notre petit bonnet. Donc vous continuez tout le tour et on se retrouve de suite. À la fin ici, vous reste une maille de disponible, vous faites une dernière maille coulée et une maille coulée vraiment à la base du premier picot. Donc vous piquez maille coulée. Et maintenant, vous avez juste qu'une chose à faire, c'est venir couper le fil. Toujours la même chose, quand vous coupez, vous enlevez le surplus. Vous tirez un petit peu la boucle et vous allez tout simplement faire une maille en l'air et tirer. Tout doucement, des petits à-coups pour pas que ça se casse. Et puis, on est bon, on a le bonnet de terminé. Donc voilà, je vous montre ce que ça va faire avec, ici, son petit corps. Vous voyez, vous pouvez l'orienter la tête vers un côté, comme si c'était endormi sur le côté, tout droit, enfin, c'est vous qui voyez. On va passer au bras, donc on fait un nœud coulant qu'on vient fixer avec le crochet 2 et demi, une maille en l'air, comme ça, et ici dedans, on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On ferme le nœud coulant et on commence directement le rang numéro 2 où on va venir se munir d'un marqueur et ici on va piquer dans la première des 6 mailles, on pique, on ramène et on fait une augmentation. Une et toujours dans la même maille, on fait une deuxième maille serrée. La première de ces deux, vous la marquez. On continue en faisant que des augmentations dans toutes les mailles. Au total, à la fin de ce rang, on aura 12 mailles serrées. J'ai terminé, on enlève le marqueur et on passe au rang numéro 3 où on va venir faire
une maille serrée individuelle qu'on vient marquer, c'est la première du rang. Et dans la maille suivante, une augmentation. Deux mailles serrées dans la même maille. Ça, c'est ce qu'on va venir répéter tout le tour. Une maille serrée individuelle, dans la maille suivante, une augmentation. Donc, vous répétez ça jusqu'à terminer le tour. J'ai terminé tout le tour, on enlève le marqueur, on passe au rang suivant, où on va venir faire une maille serrée individuelle, qu'on vient marquer tout de suite. Maintenant, on fait une diminution. Donc, rappelez-vous, les diminutions, c'est facile. Vous soulevez le brin avant des deux mailles suivantes. Vous ramenez votre fil à travers ces deux. Et vous terminez. Là, on a fait une diminution. Donc, on va répéter ceci. Une maille serrée individuelle et une diminution. Ça, vous allez le répéter tout le tour. Une maille serrée et une diminution. Une maille serrée. Et une diminution. Hop. On remet tout bien. Et on continue. Une maille serrée. Une diminution. Une maille serrée. Et une diminution qui est la dernière. Là, on a fini. Maintenant, tout simplement, là, on vient de terminer le rang numéro 4. On va faire le rang 5 et 6. En travaillant ces 12 mailles serrées individuelles. Et là, on passera à la baby velly. J'ai terminé. On fait une maille coulée dans la maille suivante juste pour égaliser notre travail et on vient couper le fil. On fait une maille en l'air et on tire. Maintenant, le coton cupidon, on n'en a plus besoin. Donc, on va venir se récupérer la baby velly et on va venir travailler. Donc, on change de crochet, on prend le 3,5. Et là, ça va être facile, c'est que des mailles serrées individuelles, donc les 12. On vient piquer dans la dernière des mailles. On récupère notre fil. Une maille en l'air. Et ici même, là où on vient de se raccrocher, on vient piquer et on fait notre première maille serrée. On va dans la maille suivante. Elle est ici. On avait fait une maille coulée par-dessus. Vous piquez. On fait une deuxième maille serrée. On tourne un petit peu. Une troisième. Une quatrième, vous voyez dans toutes les mailles, j'ai juste à piquer et à faire une maille serrée. On continue jusqu'à avoir les 12. Donc ici, tous les fils, vous pouvez très très bien les couper. Hein. On les a cachés. On n'en a plus du tout besoin. J'ai terminé. Maintenant, tout simplement, ce qu'on va venir faire, c'est travailler en spirale. Donc je viens piquer dans la première des mailles serrées et je commence à travailler. Donc, 1, 2, 3 et 12. Vous voyez, au lieu de mettre le marqueur, je préfère, moi personnellement, travailler en comptant. Ça va beaucoup plus vite. Mais bien sûr, vous pouvez mettre le marqueur à chaque rang. Moi, je compte 12, 12, 12, 12, 12. Et comme ça, je suis sûre de ne pas me tromper. Donc, on continue. On recommence. 1, 2, 11 et 12. Et ainsi de suite. Jusqu'à avoir au total, donc ici on a fait 6 rangs dans la partie de la main et ensuite du rang numéro 7 qui est ici, le premier des bleus, vous voyez, jusqu'au rang numéro 19 inclus, vous allez travailler 12 mailles serrées individuelles avec la baby velly. Ce que je vous conseille, c'est de venir prendre de la mousse dès maintenant et remplir juste la partie du cupidon. Puisqu'après, ça va être un peu compliqué, on va devoir prendre un gros crochet, etc. Donc juste la main, en fait, le reste, ça va être facile ensuite, parce qu'on va presque pas remplir le bras. Mais la main, que ça soit joli, bien rond, vous voyez. Voilà, qui a une bonne texture. Donc une fois que vous avez fait ceci, vous pouvez continuer tranquillement. J'ai terminé de travailler les 19 rangs au total. Maintenant, je remets légèrement de la mousse. Le but étant de remplir jusqu'au vraiment niveau des poignets, on va dire. Hop, on enfonce avec le doigt, ça suffit. Il faut vraiment pas que ça soit trop rempli, vraiment un petit peu. Et ici, il faut que ça reste plaqué. Donc, vous voyez là, j'ai un autre bras que j'ai fait. Vous voyez, c'est, vous voyez la texture en fait. Donc maintenant, on vient tout simplement. Donc ici, je vais juste remettre un petit peu de mousse parce que j'ai vu que l'autre, il était un tout petit peu plus rempli. Mais vraiment très très peu, hein. Il faut que ça reste plaqué au corps, comme ceci. Maintenant, le dernier rang du bras, c'est facile, vous allez faire que des diminutions.
Donc ici, on ne va pas venir se compliquer la vie. On va venir piquer, ramener. Je vais dans la maille suivante, piquer, ramener. Et je termine les deux. Là, j'ai fait une diminution. Vous pouvez très très bien la marquer si vous préférez. Et on continue. Je pique, je ramène. Je pique, je ramène. Et je termine ces trois boucles ensemble. Et de nouveau, je me concentre sur les deux mailles. Je pique, je ramène. Je pique, je ramène. Et je termine. Je pique, je ramène, je pique, je ramène et je termine. Je pique, ici, hop, que je pique bien. Je pique, je ramène et je termine. Je pique, ici, hop, je pique, je ramène et je termine. Une fois que vous avez fait tout votre tour, vous venez couper un bon morceau parce qu'on va devoir coudre les bras en fait au corps ensuite. Vous enlevez le marqueur et puis vous allez venir vous plaquer dans la première diminution avec une maille coulée. Une maille en l'air et vous tirez. Donc ici, vu que j'ai coupé, il y a un surplus. On l'enlève et on finit de tirer notre boucle. Là, on a fini complètement le bras. Donc vous allez faire un deuxième à l'identique pour pouvoir ensuite, voyez, le coudre au corps et qu'il reste bien plaqué, puisque si vous remplissez trop le bras, vous allez avoir un effet bonhomme de neige. Donc ça, on ne le veut pas, on veut vraiment que ça fasse bien mignon. Donc voilà, je vous laisse terminer votre deuxième bras à l'identique et on se retrouve de suite. On va passer à l'assemblage. Ici, j'ai les deux bras, on va les laisser de côté pour l'instant. On va se concentrer uniquement sur la tête et sur le corps. Donc moi, j'ai choisi ici le coton cupidon pour assembler. Je vais venir placer, orienter la tête comme je veux. Par exemple ici, si je voudrais que le bébé ait un air endormi sur le côté, vous voyez, ça peut faire hyper mignon ça. Ou si vous le voulez, totalement droit. C'est vous qui voyez. Donc moi, je vais l'orienter légèrement. Je trouve ça adorable. Vous voyez, que je vous montre. Et maintenant, je commence à l'assembler. Donc je vais venir déjà accrocher ici le nœud pour qu'il reste bien plaqué. Hop, il m'a échappé. Et maintenant, je viens l'orienter définitivement. Vous voyez, j'ai le trou ici. Hop, vous voyez? Juste, je l'oriente. Et maintenant, je viens coudre une partie du corps, une partie de la tête. Donc, petit à petit, hein, pour avoir un joli résultat, il n'y a pas de secret. Donc ensuite, quand j'aurai terminé de coudre vraiment la partie principale, je viendrai, voyez, coudre un petit peu plus profondément ici pour avoir une tenue beaucoup plus jolie de la tête. Donc on continue. Maintenant que j'ai cousu quasiment tout, hein, ici j'ai des petits morceaux de fil, je vais venir les couper avant de continuer. C'est le fil en fait où il y avait le nœud. Je coupe un petit peu plus à ras, de toute façon il va complètement disparaître. Donc je continue de coudre un petit peu plus profondément, vous voyez, afin de plaquer la tête en fait, lui donner plus de stabilité. Donc là tout à l'heure en coupant les petits morceaux, j'ai coupé carrément le fil principal. Mais on va voir si j'arrive à terminer avec ça. Donc vous voyez juste, je pique un petit peu plus haut. Et je regarde à chaque fois là où je veux que la tête reste plaquée. Si le chapeau, je le mets correctement. Et en fait, fur et à mesure que vous allez coudre, vous voyez, il y a beaucoup plus de stabilité qu'il n'y avait au début. Une fois que c'est bon, je viens passer derrière.
et on va venir faire un tout petit nœud le plus discret possible, vraiment. On s'accroche à un tout petit morceau ici de coton cupidon et on vient faire un petit nœud. Maintenant je pique dans la tête, je ressors plus loin et je viens couper. Je vais venir prendre la grosse aiguille à laine et je vais venir cacher également le fil ici de Baby Velly à travers son corps cette fois-ci puisque on cache à travers le même fil. On ajuste bien et on coupe. On enlève ici le surplus et on a fini de coudre la tête. Vous voyez, elle est un petit peu orientée vers là-bas. Donc moi, je trouvais ça hyper mignon. Vous voyez, quand on tient le petit bébé, que ça fasse en fait un air, je sais pas. C'est beaucoup plus mignon, je trouve. Donc ici, maintenant, on va ensuite broder les yeux. Mais pour l'instant, on va se concentrer aux bras. Donc tout simplement, pour coudre les bras, ça va être très facile. C'est comme je vous dis à chaque fois. Vous allez prendre les deux bras d'abord. Et vous allez les placer avant de les coudre. Vous les placez pour vous donner une idée. Vous mettez le chapeau, vous mettez tout. Hein, pour bien voir où vous voulez que les bras arrivent. Une fois que c'est bon, que vous le savez, on va venir et on va coudre, vous voyez, les bras au corps. Donc vous voyez, vous laissez à peu près un rang et vous commencez à coudre. Cousez très très superficiel là, parce que sinon ça va lever le bras. Donc vraiment quelques petits points, vraiment, pour que juste que ça tienne bien. Maintenant, je pique à travers le bras et je ressors de l'autre côté, pour le fixer également de ce côté-là. Hop, et je recouds ici. Une fois que c'est bon, vous piquez. Et vous allez venir redescendre vers le bras, en bas, voyez, comme ceci, pour venir le plaquer. Donc vous pouvez lui donner la forme que vous avez envie. Je vais venir attraper un petit morceau de son bras. Voyez, moi c'est juste pour que ça reste parfaitement accroché, mais c'est complètement optionnel ce que je suis en train de faire. Je repique dans le corps un petit peu plus loin et je plaque. C'est vraiment léger, léger, hein, le plaquage. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est venir sécuriser mon travail en faisant un tout petit nœud. Donc c'est vraiment très discret avec la laine Baby Velly. Ne vous inquiétez pas. Un petit nœud. Hop. On pique à travers le corps. On ressort beaucoup plus loin. On tire. Et on vient couper. On remet avec l'aiguille tout ce qui a pu se déformer pendant tout ce qu'on a fait. Et puis on passe au deuxième bras où on va faire la même chose. Là c'est rigolo parce qu'on dirait qu'il a une toute petite tête. Donc ici, hop, avec son chapeau, vous voyez. Donc ici, si vous voulez l'orienter comme s'il était sur le côté, vous mettez le chapeau un petit peu plus par ici. Et ici, vous lui brodez les yeux. Ou vous le faites un petit peu moins exagéré, vous voyez. Mais plus le chapeau va être tourné vers la droite, plus on dirait qu'il regarde vers là-bas. Donc, ce que je vais faire, c'est venir coudre le deuxième bras et on se retrouve. On va maintenant broder les yeux du bébé. Donc là, comme vous pouvez voir avec du crayon, ici, je suis venue dessiner légèrement déjà une forme de yeux pour m'aider. Je vous conseille de faire exactement la même chose, ce sera plus facile de broder par la suite. Donc ici, j'ai pris du coton perlé, j'ai fait un nœud au bout. Je vais venir ici piquer vers le derrière de la tête et ressortir là où j'ai commencé la forme de mon œil. Maintenant qu'on est venu ressortir ici, on va venir commencer à broder. Donc moi, j'ai le petit dessin qui m'aide. Donc ici, je descends tout simplement. Vous descendez. Regardez bien ce que je fais. Et je ressors un point plus loin. Maintenant, je régresse ici. Vous voyez, là où c'est vide, pour le combler, et je ressors plus loin. Vous remettez chaque fois bien en place.
je ressors exactement là et je ressors plus loin. Je ressors là et je ressors plus loin. Mais là, je vais commencer à monter. Donc, comme ceci. Et là, je vais faire un dernier petit point juste là. Je ressors exactement ici, à la fin. Je ne mets pas plus haut puisque je ne veux plus broder. Comme ceci. Là, j'aurai un œil de fini. Maintenant, ce que je vais faire, c'est venir passer à l'autre œil. Donc, pour cela, je pique exactement où je suis venue sortir. Et je vais venir de l'autre côté. Donc là, je ne vois même plus mon dessin. Mais je vais venir le faire à l'œil. À peu près. De toute façon, je peux toujours bouger une fois que je suis ressortie. Et maintenant, donc je remets bien le petit bonnet que j'avais fixé comme ça. Je vais venir après lui donner 2-3 points pour histoire de bien le fixer. Donc ici, je vais faire le deuxième œil. Donc ici, je redescends et un petit peu plus loin. Donc je regarde d'abord, ici, c'est la fin de l'œil. Donc je pique et je ressors un peu plus loin. Je pique ici, à la base du premier point noir. Et je viens sortir un peu plus loin. Je pique ici, je ressors un peu plus loin. Et je remonte. Je pique. Et je remonte comme ceci. Vous voyez? Là, c'est à peu près pareil. Donc ici, si vous voyez qu'il y a un point qui s'est un petit peu serré ou quoi que ce soit, remettez-le avec l'aiguille à laine, il n'y a vraiment pas de souci. Donc une fois qu'on a ce résultat-là, le résultat que vous avez envie, on peut venir lui broder optionnellement des cils. Donc je vais vous montrer comment on fait. Ici, donc je pique et je me place sur la ligne en fait, là où je veux qu'il y ait le cil qui commence. Je redescends, je m'oriente bien comme il faut vers ce côté-là. Et je ressors. Vous voyez, là on a un petit cil qui s'est formé. Je viens me déplacer, toujours par l'intérieur, sinon ça va faire trop grossier, il va avoir plusieurs couches de noir. Donc je viens piquer et ressortir un tout petit peu plus loin, là où je veux qu'il y ait le deuxième cil qui commence. Et je redescends. Là, c'est pas pratique du tout, j'ai pas laissé suffisamment de fil. Je recommence, donc je mets le bébé vers moi et je viens viser. Hop. Et je ressors au même endroit pour former le deuxième petit cil. Vous pouvez en faire plusieurs, vous voyez. J'ai terminé de broder les deux yeux. Voilà ce que j'ai obtenu, vous voyez. Donc maintenant, ce que je vais venir faire, c'est tout simplement avec la Baby Velly, je viens piquer à l'intérieur du bonnet. Vous voyez, je mets bien le fil du nœud à l'intérieur. Et vous venez vous positionner un petit peu plus vers le bas. Et maintenant, on va venir coudre à la tête le bonnet. Vous voyez? Donc, on met le bonnet, qu'on voit bien son front, mon bébé. Et on va venir tout simplement piquer, passer un petit morceau dans la tête et ressortir plus loin dans le bonnet. Et on tire. On va ici, au même endroit, on pique. On ressort plus loin et on tire. On pique, on ressort plus loin et on tire. Tout ça sans déformer. Donc quand vous tirez, veillez bien que vous n'êtes pas en train de déformer le bonnet. Et vous allez venir le fixer de cette façon. Vous voyez? Donc soyez bien sûr que vous êtes en train de bien le coudre. On ressort plus loin. Ça ne se voit pas, hein, la couture qu'on est en train de faire. Donc vous pouvez y aller tranquillement. C'est vraiment une couture rapide, histoire de le fixer. Mais c'est pas quelque chose de compliqué à faire.
une fois que vous avez fixé votre bonnet, donc là j'ai fait tout le tour. Maintenant je pique, je ressors, j'essaye de sortir un petit peu plus haut. Hein. Je viens remettre tout en place pour ne pas déformer mon ouvrage. Et une fois qu'on est en haut, déjà ça ne sert plus à rien, on vient faire un tout petit nœud discret. On pique et on ressort plus loin. On remet tout bien en place et on vient couper. Maintenant, pour terminer le bébé, ici au milieu, quand on a uni les deux jambes, il y a un petit trou qui est resté. Ce petit trou, on va venir tout simplement l'unir. Donc, j'ai fait un nœud au bout de mon fil et je vais venir tout simplement, donc ici le fil, on le met dedans. Et on va venir donner quelques points histoire que ce trou disparaisse. Vous voyez, là il a complètement disparu. Une fois que vous avez le bon résultat, vous venez faire un petit nœud et vous cachez votre fil. Et à ce stade, vous auriez terminé votre bébé. Donc ici, ce que vous pouvez faire, c'est avec n'importe quel amigurumi que j'ai fait, par exemple les bébés licornes, la petite tortue, peu importe, c'est en faire une avec un fil comme le coton perlé, comme ça on aura un tout petit résultat, et lui mettre en tant que doudou. Vous pouvez également faire le doudou carrément avec le carré granit que j'avais fait avec le petit ourson, mais si vous le faites avec un tout petit fil tout fin et un tout petit crochet, vous allez obtenir le doudou parfait en fait pour ce bébé. Donc voilà ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc moi je l'ai fait en bleu ciel, je vous laisse imaginer avec plein de couleurs, c'est vraiment un très joli modèle tout tendre. J'espère qu'il vous plaît autant qu'à moi. Ben écoutez, sur ce je vous fais de gros bisous et je vous donne rendez-vous très très vite pour un nouveau projet. Bisous à tous.